La reine Elisabeth II est morte. Vive le roi. Une leçon de choses pour le despote Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Chris Yapi, comme bien des citoyens dans le monde, a suivi l'annonce de la mort de Sa Majesté la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Cette mort est un véritable choc pour la famille royale, pour le peuple britannique, mais aussi pour leurs alliés dans le monde entier. Cette reine, décédée à l'âge de 96 ans, a eu le plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne, elle a aussi cumulé le plus long règne d'une femme dans l'histoire de l'humanité. Tous les observateurs sont unanimes sur le fait qu'elle a été le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a prospéré et s'est maintenue au rang de superpuissance mondiale. Montée sur le trône en 1953, après la Seconde Guerre mondiale, elle a connu 15 premiers ministres. Comme elle le déclara un jour, elle les a tous aimés leur a apporté son affection. La monarchie britannique a survécu et traversé les siècles grâce à sa clairvoyance, mais aussi à son attachement au sens de l'honneur et de son engagement pour la cause de la nation. Son leitmotiv a toujours été l'unité de la nation. Chez nous en Afrique, l'on dit souvent que c'est le cadavre lui-même et lui seul qui fait ses funérailles. En d'autres termes, si de votre vivant vous avez été sage, juste et bon envers tout le monde, si vous avez œuvré dans l'unité de la nation et pour la prospérité, alors à votre mort, toute la nation sera unie pour vous célébrer et vous faire des funérailles grandioses et dignes. Je rêve déjà aux funérailles de la reine d'Angleterre. Elle aura droit à ce qu'elle a semé. La reine Élisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. Elle aura régné 70 ans sur le Royaume-Uni, un record absolu. Elle avait succédé à 26 ans à son père le roi George VI. La reine Elisabeth avait officialisé le 6 septembre la nomination de Liz Truss au poste de première ministre, mais sa santé s'était ensuite subitement dégradée. Selon le protocole, le décès de la reine a été annoncé par téléphone à la première ministre par la formule London Bridge is down. Le plan secret organisant la mort d'Elisabeth II prévoit notamment 12 jours de deuil national. C'est son fils, Charles, âgé de 73 ans, qui lui succédera sur le trône. Toutefois, mon cœur se sert et je veux, sans acrimonie, penser à la Côte d'Ivoire, mon pays bien-aimé. Oui, mon cœur se serre douloureusement. Si feu le président Félix Oufo-Boigny a reçu lui aussi des funérailles grandioses, certes à la hauteur certaine de la reine Élisabeth II, je m'interroge sur le cas de notre président inconstitutionnel Alassane Ouattara. La reine d'Angleterre est morte sans que ses sujets par milliers croupissent en prison. Elle est morte sans avoir décapité ses sujets, pour des raisons politiques. Elle est morte réconciliée avec son peuple. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a-t-il pensé à sa propre fin un jour, puisque nul n'est immortel La mort de la reine Élisabeth en est la preuve par excellence. Je veux, en toute humilité, m'adresser à Alassane Ouattara. Qu'avez-vous fait, cher Alassane Ouattara, pour votre peuple Avez-vous un jour pensé à ce que les Ivoiriens pensent de vous avez-vous songé à ce que même vos plus proches collaborateurs pensent de vous? monsieur alassane ouattara, avez-vous imaginé la douleur et le ressentiment de tous ces ivoiriens morts juste pour que vous deveniez président? tous ces ivoiriens que vous avez tués depuis ces trente dernières années et dont les familles n'ont pas encore fait leur deuil? à cause de vous, environ dix mille personnes ont été tuées, d'autres décapitées même si dans votre tête vous aviez raison de les massacrer. Avez-vous songé à ces plus de 3000 Ivoiriens que vous avez jetés en prison pour des motifs aussi fallacieux les uns que les autres Vous êtes le seul chef d'État qui a eu la méchante idée d'emprisonner des enfants de Côte d'Ivoire plus d'une décennie durant. Mesurez-vous la haine qui les consume contre vous Lorsque nous demandons la réconciliation, en fait c'est encore plus dans votre propre intérêt. Vous avez tellement humilié et maltraité le peuple ivoirien qu'il s'y trouve beaucoup pour souhaiter votre mort. Cela est horrible et est à la résonance de votre politique du pire. Pourquoi Dieu ne touche-t-il pas votre cœur pour que vous redressiez la barre et que vous vous réconciliez avec le peuple de Côte d'Ivoire Croyez-vous que vous serez éternel Êtes-vous sûr que le peuple ivoirien compatira à vos malheurs Votre oppression, votre tyrannie et vos massacres, ne peuvent qu'appeler de la part du peuple le soin de vous voir périr. Monsieur Alassane Ouattara, la mort de la reine d'Angleterre et la compassion de nombreuses personnes de la Terre entière pour elle devraient vous inspirer, car pour le moment, une grande majorité des Ivoiriens a la rancune tenace. Vous avez fait tant de mal. On ne soumet pas un peuple pour attendre de lui qu'il vous adore. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Ressaisissez-vous et faites la réconciliation. Je vous le répète, c'est le cadavre qui fait ses funérailles. Libérez les prisonniers politiques et militaires. Permettez le retour de tous nos exilés politiques. Demandez pardon au peuple ivoirien pour tous les morts que vous avez causés. Réparez vos torts et Dieu se chargera du reste. Il faudra bien que ceux qui aiment Alassane Ouattara lui fassent entendre raison, car le temps de Dieu ne faiblit jamais sa cadence. Ce qui doit être sera. Chrissiapine ne ment pas. Retrouvez Chris Happy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.